Eh bien, salut YouTube, c'est Miyuri. Il vient de se passer quelque chose d'assez incroyable. Et si je vous disais qu'il n'était plus du tout envisageable de reroll? Allez, je vous en parle. Eh bien, c'est officiel. L'information nous provient du site officiel lui-même qui nous dit, voilà, on a fait une update du site ainsi que de ses récompenses. Donc, ils appellent ça le carnival, donc le carnaval de la version globale. Et on va analyser tout ça. Alors, premièrement, donc là, c'est un récap des récompenses. D'accord? Voilà, c'est une overview de ce qu'on aura vite fait. Ici, on connaît déjà, hein, les préinscriptions, on connaît. Bon, ça, voilà, on sait qu'on aura 10 Gold Nucleus, qu'on aura 500 Dark Crystal, etc. Ça, on connaît. Mais ce qui est important, c'est juste en bas ici, In-game Rewards. Alors, il y a effectivement beaucoup de choses à analyser ici. Déjà, le Star Path Navigation. Alors, ça, donc ça, c'est la box SSR. Il me semble, hein, que c'est ça. On aura donc les 5 Gold Nucleus qui sont d'office réclamés Day One. Donc, si on compte, ça fait 10 ici. Donc 10 Gold Nucleus plus 5, ça fait déjà 15 Day One, hein, ça fait déjà 15, c'est beaucoup, plus la box SSR. Et ensuite, mais c'est pas tout, parce que juste à côté, regardez ici. Donc c'est la première semaine sur 2 de la sortie. Donc ici, ça se passe en 2 rounds, d'accord? Et on aura aussi une seconde multi-invocation. Ce qui nous amène à un total de 25 pools. 25 pools, rien en faisant rien en fait. Hein, t'as juste à rien faire. T'auras 25 pools juste en te connectant au jeu Day One. Mais c'est pas tout. Et donc on aura évidemment la monture, le cube. Alors ça, c'était pas confirmé. Pourquoi j'en parlais pas? Parce que c'était des leaks. Il y a 2-3 jours, c'était complètement des leaks. J'attendais la confirmation officielle pour en parler. C'est fait. Donc voilà, on peut en parler maintenant officiellement. Et ici, encore une fois, juste à droite, donc en un autre event, on aura une pierre, donc une orbe d'invocation dorée en plus, ce qui nous fait un total de 26, 26 pools dorés Day One. Donc, est-ce que les gars, il y a encore... genre, est-ce qu'on doit encore discuter sur la façon de reroll ou bien... Non, parce que là, hein, on va en parler quand même. Ça sert à quoi de reroll, les gars? Ça sert à quoi? Parce que moi, j'en avais parlé dans ma vidéo. J'avais dit, je déconseillais. Bah, du coup, elle fait sens. Bah oui, ma vidéo, elle fait sens tellement de ouf, en fait, parce que ça sert à rien de reroll, en fait. Ça ne sert à rien. Tu te connectes, t'auras 26 pools. Alors certes, t'auras pas 30 pools, mais au pire, les 4 dernières, tu vas vite les chercher dans l'open world, tu vois. Tu fais une roue de 2 minutes, c'est suffisant. Hop, voilà, tu cherches les 4 dernières qui te manquent. Et voilà, en fait. C'est vraiment le carnaval, quoi. C'est la fête. C'est la fête chez TOF, donc c'est ultra Gucci. C'est franchement pas déconnant. Et là, ensuite, là, c'est le drame. Ah, bah oui, c'est le drame. Là, c'est le drame. Pourquoi je dis ça? Parce que regardez, en fait, on se fait shaft sur les raids Nucleus. Et oui. Donc, en fait, le reroll pour Nemesis, bah, il n'y en a pas. Il n'y en aura pas parce que regardez, c'est à partir de la troisième semaine qu'on aura les raids Nucleus. Ensuite, c'est la quatrième semaine. Et ensuite, c'est le second mois, au mois de septembre. Donc là, c'est très très. Enfin, non, oui. Si, si. Mois de septembre. Excuse-moi, j'allais dire mois d'août, mais non. C'est bien au mois de septembre qu'on aura une multi de raids en plus. Donc voilà. N'espérez pas reroll Nemesis. On fait un petit aparté sur ça. Faites un reroll, oui, sur la bannière perma. Ça, je suis d'accord. Faites-le. Enfin, il n'y en a plus besoin là. Hein. En fait, vous avez juste à créer des adresses email, OK, en boucle. Si vous n'avez pas votre perso préféré, vous vous déconnectez, vous n'avez pas besoin de faire la route, vous refaites un compte, et hop, et ainsi de suite, quoi. Tu refais tes 26 pools, et ainsi de suite, tu vois. Donc, t'as même plus besoin, si tu veux, de faire un reroll, là, à ce niveau-là. C'est juste que, du coup, pour Nemesis, bah, tu pourras pas. Donc, ils nous ont gâtés par rapport au Gold Nucleus, ça, oui, ils nous ont bien gâtés. Par contre, pour les raids, c'est un shaft. Voilà, on peut pas tout avoir. Donc, ça va être compliqué pour Nemesis. Néanmoins, ne soyez pas trop déçus. Il y aura beaucoup de cristaux, donc de Dark Cristaux à récupérer. Ne vous inquiétez pas.
Le jeu est quand même généreux dans l'open world, dans ses quêtes, dans ses events. Donc je pense qu'il y aura facilement moyen, sous 20 jours, de récupérer Nemesis. Ne vous inquiétez pas, je pense que voilà, si on fait le calcul de tous les Dark Crystals qu'on aura, je pense qu'il est suffisamment possible de pull Nemesis en comptant en plus les Red Nucleus qu'on aura droit donc, à partir de la semaine 3 launch. Donc voilà, mais ce n'est pas tout. Parce que là, vous allez me dire, mais attends, mais Yori, c'est fini. Mais non, c'est le carnaval, je t'ai dit, c'est le carnaval, c'est la samba. Donc ça, c'est quoi? Alors ça, c'est d'autres récompenses. Eh oui, regardez. Bon, ce qui nous intéresse ici, c'est l'Europe, évidemment. Donc c'est, en gros, il te dit que si tu regardes des streamers, Twitch, à tout hasard, Bibi, hein, Bibi stream aussi. Oui, je stream, les gars. Donc évidemment, si tu regardes mes streams, éventuellement, hein, bah, ce serait déjà gentil, déjà, si tu viens me voir. Merci beaucoup. Mais tu auras des récompenses en plus. Et là, tu vas me dire, mais attends, Miori, mais c'est une dinguerie. C'est une dinguerie, mais t'auras quoi? Genre, qu'est-ce que j'aurai de plus? Mais ben, regarde, c'est juste en bas. Ici. Tu auras 3 Gold Nucleus en plus. En plus, pardon, en plus. En plus, ça rime. 3 Gold Nucleus en plus. Ah ouais, ça rime de ouf. Et tu auras droit aussi 150 Dark Crystals. Incroyable. Et là, tu vas me dire, mais attends, Miori, mais c'est un délire. Mais du coup, mais on a plus besoin de reroll. Non, t'as pas besoin. Tu n'as plus besoin de reroll parce que ça nous fait un total de 29 pulls. Day one. 29 pulls. Donc, c'est sous forme de Twitch Drop. Tu connais Twitch Drop, j'imagine. Est-ce que vous connaissez Twitch Prime? Bon, c'est l'instant l'instant ad. On va éviter. Mais voilà, est-ce que, du coup, tu vas venir me voir sur Twitch? Parce que si tu viens me voir, tu auras des drops, tu auras des récompenses. Viens donc, tu auras donc 29 poules si tu viens me voir au total. Donc après, t'es pas obligé de venir me voir, hein. Il y a d'autres streamers, attention, je suis pas le seul, il y en a d'autres, hein. Mais si tu viens me voir, si tu viens soutenir, tu auras droit à tout ça en plus. Donc t'auras un titre, je crois, tu auras un cadre, tu auras 3 poules et tu auras 150 cristaux juste en regardant mon stream. Voilà, Bibi, il est content. Mais oui, t'as juste à faire ça, rien d'autre. Donc fais-toi plaisir, c'est Gucci, c'est le carnaval. Je suis ultra content. Vraiment, là, les devs, pour moi, ils font, mais vraiment, mais une communication de fou furieux. C'est généreux. Donc, du coup, ça fait 3 multis, hein, sans rien faire. 3 multis invocation, donc c'est une pitié. On aura droit à une pitié sans rien faire. Voilà. T'as juste à te connecter. Tu rushes le niveau 6 pour débloquer les pools, hein, forcément. Ça dure quoi, 15 minutes? Même pas 10 minutes, tu vois. Entre 10 et 15 minutes, tu rushes, tu skips, tu vois, les cinématiques, les textes, tu skips tout. Tu pools, t'as pas ce que tu veux, tu recommences un compte, tu refais un email. Parce que oui, il faut refaire un email, les gars, attention. Il hein, faut refaire d'autres emails. Hein. Donc prévoyez d'autres emails. Voilà, mais t'inquiète, c'est facile. Donc faites-le dès maintenant, prévoyez d'autres adresses email, faites-le. Si vous voulez absolument obtenir votre starter préféré. Donc voilà, je pense qu'on va pas plus en parler, hein, j'ai tout dit, donc voilà, Twitch Drop, etc. Viens me voir sur Twitch, iammiuri.twitch.tv. Voilà, tu auras toutes les infos. T'as juste à taper iammiuri sur Twitch, tu vas me trouver. C'est le même nom que sur YouTube, t'inquiète pas. Donc voilà, qu'est-ce que t'en penses? Dis-moi en commentaire ce que t'en penses. Moi, je trouve ça incroyable. C'est généreux, c'est trop bien, quoi. C'est le carnaval, voilà. C'était Miuri, et on se dit rendez-vous pour une prochaine vidéo. A plus. Une dernière petite chose à vous dire. Je serai en live pour la sortie du jeu. De ce fait, et pour vous remercier de tout le soutien que vous m'apportez depuis quelques jours, je ferai des giveaways tout le long du stream. Alors n'hésitez pas à venir si vous voulez encore plus de cadeaux. Merci encore.